Bienvenue, gentes dames et gentes messieurs. Bienvenue sur la chaîne GHF Team pour aujourd'hui nous retrouver sur Horizon Zero Dawn, un petit jeu sorti il y a déjà un an, il me semble, un peu plus même. Un petit RPG dans un monde post-apocalyptique comme je les aime. Et aujourd'hui on va se lancer dans ce let's play, donc on va commencer par ça. Et on va s'y mettre de suite, on va regarder cette cinéma d'intro, d'accord, qui est super importante, qui est super belle et qui démontre tout ce qu'il faut dès le départ. D'accord, c'est un petit jeu fait par Guerrilla Games, d'accord, une petite boîte hollandaise il me semble, de développement, très connue pour donc Killzone. Si vous n'êtes pas fan des Killzone, moi j'en suis un, et je vous invite à y jouer, même des premiers jusqu'au dernier, même si les derniers étaient moyen. Bref, on en reviendra plus tard, aujourd'hui on va se baser sur Horizon et c'est parti de suite. Oh là 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 là. Oh là 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 là. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. Will the goddess speak it back? Mais ce jeu, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu m'étonnes que je me ruine après à acheter des nouveaux jeux comme ça. Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual, but we are outcasts. Even so, we keep the tribe's rituals. Otherwise, we might become like the faithless old ones who turned their backs on the goddess. But their wickedness doomed them. To us, were left the splendors of creation, beasts of air, water, earth, and steel. C'est beau, c'est beau. J'adore. It is one thing to hunt a beast, another to hunt a machine. You must be humble and respect their power. I will teach you this one day. Mais ce gros magnon quoi, mais regardez-le. Avec cette barbe. Pff, la virilité incarnée quoi. Hi matriarch Tirsa. What is she doing here? Does she mean to forbid the ritual? No, 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 off your knees. It's nearly time. And yes, you may speak to me. You came to bless the naming. Have not 6 months gone by since we entrusted her to you? But we are outcasts. You by choice. And she, well... I am a high matriarch, Rost. I bless whom I choose. Then you honor us. Yes, yes, now go and be ready to declare. Go! La vieille totalement teug, quoi, elle en a rien à faire de la culture. Oh, mother, this child needs a name by which to know her. That your love may warm her life as the rising sun warms all the earth.
Speak her name. Le roi lion, Simba. Pardon. Eloy. Excusez-moi. And so her name is blessed. Stop this at once! What have you done? I've blessed the naming of a child. Stubborn woman, you call that curse a child? What did she tell you about his birth, outcast? Answer! I've done only what you asked. To raise it, yes. We said nothing of love. Enough. La vie est chiante, quoi. Toujours cette vieille mémé là qui est là juste pour faire chier le monde parce qu'elle est vieille et qu'elle peut plus rien faire de sa vie. Ouah, ça parle mal des vieux. Faut pas dire ça. Et je plaisante, chers spectateurs. Il faut absolument pas dire du mal des vieux. C'est des personnes qui peuvent vous apprendre que du bien. Oh là 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 là. Mais cette beauté, quoi. Et nous voici donc à la partie, donc menu principal, où justement on va commencer. On va choisir le mode histoire, le mode le plus simple, vraiment, pour qu'on se base sur la beauté de la chose. Si à un moment donné, vous avez envie, j'augmente la difficulté, c'est à vous de voir. À vous de me dire. Et puis on avisera. Sinon, petit autre débat, on pourrait débattre, c'est vrai. Le langage. Moi, je l'ai mis en anglais. Pourquoi ? Parce que, pour moi, les voix originales ont toujours ce petit truc. Cette petite chose qui apporte un plus. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer. Mais pour moi, en anglais, c'est vital. Donc si à un moment donné vous n'êtes pas d'accord non plus, dites-le moi et puis on avisera sans doute. Hein, on fait comme ça. Allez, on se dépêche. Ah, prof, parfait. Ah, c'est Simba. Elle a grandi. Enfin, Eloy, pardon. Excusez-moi. Je l'appellerai Simba, moi, de temps à autre. Putain, mais ces gens avec des dreads, mais... Tous des hippies, encore. You're quite the gatherer, aren't you, little lost? Now go and see if you can find some mom. Oh, il est mignon. Well done, that's a good boy. Children, come with me. Waouh, ce manque de respect. Allez, les enfants, sincèrement, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, je vous défends tous de faire ça, d'exclure une petite fille qui vous apporte des baies. Manière, c'est une règle de base. Si on vous apporte un truc, mangez-le. Peu importe ce que c'est. Ok ? Fais comme ça. Voilà ce que ça donne quand quelqu'un est exclu. On court, on tombe dans des trous et on découvre des choses impressionnantes. T'inquiète, je suis là pour te guider. Si vous avez peur des rats, je ne peux pas vous faire.
Moi, j'ai toujours voulu en avoir un chez moi. Tight, but I can get through. Voilà, je commence déjà à me perdre. Hop, petit carré pour s'accroupir. Je me relève. This must be a ruin of the metal world. One of the old places. Petit tuto sans doute. Enfin oui, je dis sans doute alors que j'ai déjà fait cette partie quoi. Donc oui, en effet, petit tuto où on découvre comment jouer. Et on va commencer à découvrir le scénario. Petite coupure. Hop, excusez-moi, comme par hasard, pile quand on enregistre, quelqu'un qui se pointe à la porte. Alors, viens voir. Ça, il faudra venir le chercher, ça. C'est le truc de collection. Et nous, on va poursuivre. Alors, voyons voir. C'est beau. Alors. Eh, moi perso, mais ça c'est dans tous les jeux vidéo, même dans les films. La gamine, elle a 7 ans, elle trouve un cadavre, elle est là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je vois un cadavre, mais je me casse. Ça va pas ou quoi? Ça y est quoi, elle a trouvé, c'est une nouvelle barrette, elle est contente. Bon, voyons voir. La petite Simba là, qui grandit, qui découvre. Lights everywhere. How does it do this? Waouh. Partie anti-explosion. Et on va poursuivre, hein. On va poursuivre tout ça, on va essayer de faire assez vite. A metal door closed. Là, on commence à découvrir comment fonctionne le mode de jeu. Cette petite partie, je la connais. En appuyant sur R3, on active donc le petit dispositif. Et on peut voir à travers les murs tout ce qui est électronique. On peut le voir. Et c'est de cette manière-là qu'on avance. Voyons voir. Hop! Petit mécanisme de verrou. Du coup, on active. Encore une fois. Et voilà, on a ouvert la porte. Bon, on va avancer. Un petit coup de montage après, c'est pas bien grave. Voyons voir. What's that? Scanner l'appareil. Hop. You think I want it this way? It's the best
Tekken 2. He's right behind you. Hi! Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Show me. Show me again. Tekken 2. He's right behind you. Oh là là, les joies de la télé quoi. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. Look, Daddy can't be there with you and Mom, but we can still have a party, right? Sure we can. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. What happened to them? Ouf, on se penchera dessus plus tard, Simba. T'inquiète pas, on reviendra par ici. Il faut que j'arrête de l'appeler Simba. Hey, Loy! Simba! He found me! Frost found me! Down here! I'm coming! C'est parti quoi. Come girl, take my hand. You don't belong down there. Come. Such places are forbidden, Aloy. I fell in. They are of the metal world. Putain, c'est cinématique quoi, mais ils sont trop bien gavés quoi. Did you find it down there? Give it to me. Non, je te rends pas. Je te rends pas. C'est ma barrette. Non. C'est génial, quoi. Pauvre Simba, quoi. Détesté de tous. You'll need to know how to survive in the wild. Come, Aloy. Home now. But starting tomorrow, you will learn to hunt. Ce gars, quoi. Bon, et les gens, et c'est ici qu'on va s'arrêter. C'est là qu'on va s'arrêter, et on va se retrouver très prochainement dans le prochain épisode, d'accord? Le numéro 2. Là, ça a été le premier. Et je serai vraiment ravi de vous retrouver. J'espère qu'on sera nombreux. Première vidéo que je lancerai moi-même sur la chaîne GHF Team. Même si j'ai déjà fait quelques streams, en espérant que c'est un petit pas mal de vues. Allez, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À la prochaine. Ciao, ciao.